Une bonne! Bûcheron, sorcière de la net! Bûcheron, sorcière de la net! Ouah! C'est quoi, regarde? Écoute bien ce que je vais te dire. Et bien tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo les amis, c'est David K, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je tenais à vous remercier du fond du cœur pour tous vos commentaires sur la dernière vidéo. Franchement, vous étiez trop nombreux pour que je puisse répondre à tout le monde, néanmoins je les ai tous lus. Et vraiment, ça m'a fait du bien, tu vois, ça m'a fait du bien de voir vos retours sur la vidéo des 100K. Je l'ai fait avec le cœur, comme ça, sans montage, direct, et j'ai vu que c'était passé. Et vos retours sur la vidéo avec Mitroglou, la famille. Avec Mitroglou et la banquise qui m'appelle, franchement, c'était super. Merci à tous, je vous garantis qu'il va y avoir d'autres épisodes, on va pas en rester là. Voilà, aujourd'hui c'est la nouvelle saison, meilleur contenu possible, pack opening, on a des gemmes pour cette saison, on a déjà deux quêtes, on va aller faire un nouveau deck, on va le tester avec les abonnés du clan. On a fait 5595, on a battu notre score, alors merci à tous, tabassez les likes et tabassez les commentaires. Le mot de passe pour cette vidéo banquise, voilà c'est banquise, voilà. Alors vas-y, merde j'ai pas le... Y a pas le petit son, mais c'est pas grave, on va relancer après. 6773 d'or, on veut de l'Electro Dragon ainsi que de la légendaire. Ok, donc ça on s'en fiche. Vas-y. Ah cool, c'était pas max visiblement. Oh oui. Putain, y'en a 15 frérot. Oh wow. Oh attends. Allez. Oh comment ça fait plaisir pour la nouvelle saison. Ça fait pas plaisir. Vas-y, de toute façon c'est full, hein. Donc c'est de l'or. Boum, légendaire. Oh, il restait 20 épiques encore. Ouah, dommage. Ouah, ça fait quand même plaisir. Tout est full maxed. Ah non, peut-être pas ça, ça c'est pas full maxed. Voilà, ça y est, ça c'est maxé. Et... Une bonne. Bûcheron, sorcière de la net. Bûcheron, sorcière de la net. Ouah, les deux à la fois. Merde, je prends laquelle frérot? Oh non, le choix impossible. Le meilleur coffre de tous les temps et choix impossible. Oh la vache. Je réfléchis. Je vais Nightwitch, voilà, pour la passer. Allez, on va harmoniser un peu les levels de cartes. Super. Du coup, merci pour tous ces TR, cette saison fantastique. C'était dingue. Alors, ce qu'on va faire, laissez-moi 2 secondes, on redémarre le jeu. Ouais, 2 offres spéciales. Déjà les quêtes. Ok, ça c'est fait. Il disait que j'en avais 2 tout à l'heure. Oh, ok. Mais ok, y'a rien. Oh. Pardon. Oh, y'a de l'or, y'a tout. Oh, j'achète. Je suis un pigeon, j'achète. Mais j'achète dans la prochaine vidéo. Oh. Oh, mec. Mon or en PLS. Oh là là. Ok, j'achète. J'achète. Oh ouais. J'achète. Oh ouais, j'achète tout frérot. Ok. Waouh. Ouais, quelle vidéo insane. Ok, guerre de clan. Donc on va se diriger dans la guerre de clan, faire le premier fight. Non mais Mitroglou là. Mitroglou, je te jure. Ah, c'est un truc de ouf, hein. Alors on va commencer par combat d'accélération. Modifier le deck. Oh, ça peut être bien ça, en combat d'accélération. Vous en pensez quoi? Du coup, en défi d'accélération, je me dis que ça peut passer. Donc, je propose qu'on combatte direct. Hein. Oh non. Mais non. Oui, allô? Oui, c'est bien moi. Ah, vous avez vu ma vidéo? Oh, ça me fait plaisir, madame la banquise. Non. Vous avez trouvé ça nul? Pourquoi? C'est stupide. Non mais t'as rien compris toi. T'as rien compris meuf. Je te dis que... T'as mis un dislike. Bah, tu sais quoi, regarde. Écoute bien ce que je vais te dire.
J'arrive avec Mitroglou. J'arrive avec Mitroglou. Je te jure. Mitroglou, il arrive à la banque. Il arrive à la banque. On est là dans 2 minutes. J'arrive. A few moments later. Bon, c'était rien, les amis. Juste un petit désaccord avec la banquise. On reprend la vidéo. On s'était quitté sur le combat d'accélération. Ça tombe bien. On y va. Je suis remonté à bloc. Elle veut plus que j'achète de gemmes. Mais je vais expliquer 2-3 trucs. Voilà. Écoutez, c'est parti. Allez, combat d'accélération pour la Kalash. T'as à le faire, frérot. Donc, le combat d'accélération, en somme, il n'y a pas vraiment de technique. Hein. Si tu joues un deck qui coûte cher, t'es bien. Surtout pas jouer un deck cycling parce que tu risques de vite te perdre. Voilà, tu vois, c'est... Voilà, tu vois, alors, tranquille. Moi, je vais bien m'en sortir, je pense, dans ce combat d'accélération. Je pense que vraiment, il peut pas me test, tu vois, avec le deck que j'ai. Bouh! Ah, il est level 11 aussi! J'affronte une victime. Allez, c'est pas grave, je m'en fous. Du coup, combat d'accélération, parlons bien, parlons peu, parlons stratégie quand même. Je pense que si la PK... Level 12 quand même, le PK. Alors là, je vais me concentrer sur une full def, les poteaux. Regardez, hop. On va lui mettre tout ce qu'on peut en défense, là. Bien sûr, ici, des dégâts de zone. Ici, les archers en vilain def de soutien. Ici la MG qui va faire son taf. Et là tu mets une petite bûche cycle avec des petits archers. Voilà, merveilleux. Qu'est-ce que je te dise? Je suis né pour ce jeu. Bon, dommage, j'aurais pu prendre tout le monde. Donc là on va commencer à accélérer l'élixir. Tu vois que ça s'accélère quand même, hein. Tu récupères plus vite. Donc c'est le moment d'envoyer un golem. Et de là on va cycler du golem comme du golem foot comme un cochon d'Inde. Et logiquement on devrait le poutrer. Foudre, on va faire de la value. Dans le défi d'accélération, je vous conseille, vous pouvez même jouer 2 sorts. Adaptez vos decks et jouez 2 sorts, il n'y a pas de problème. Regardez. Alors là, ici, pareil, ça c'est mal joué, les gargouilles. Si en plus, il ne sait pas jouer avec son level, ça va être compliqué, quoi. Voilà, direct, regardez. Hop, ici, on va foudrer. On va bûcher, pardon, pour éliminer ça. Et vous voyez que ça va passer sans le moindre problème, hein. Voilà la puissance de Mitroglou, hein. La puissance de Mitroglou, regardez qu'il fait toujours un travail exceptionnel. Hein. Dès que je l'ai en main, Mitroglou, je le joue. Hein. Je cherche plus à comprendre maintenant, je sais que c'est un atout de qualité. Ouais, ça c'est histoire de dire que je fais le beau jeu, quoi. Je le fous de ses troupes, tu vois. Voilà, regardez, hop, ici on va aller cycler un Mitroglou. Moi, dès que j'ai Mitroglou, je le joue, hein. Je cherche plus à comprendre, tu vois. Je sais qu'il fait un travail hors norme, ce Mitroglou. Allez, bim! La puissance de la foudre! Oui, alors là, t'hésites pas, hein, tu vois. Là, tu fous def, hein, parce que tu sais que... Mitroglou direct. Victoire! La banquise, elle comprend pas, frérot, mais toi et moi, on comprend que ce jeu, il est fait pour nous, hein. Mais ouais. Du coup, c'est une petite victoire. C'est pas une grosse victoire, mais ça fait des cartes dans le... Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça. Vous avez vu que j'ai changé un peu l'overlay, la disposition. C'est gratuit, c'est moi qui l'ai fait. La banquise était contente. Du coup, je propose qu'on fasse un tirage double élixir. Je propose que c'est bien. Si je fais le 3-0, je veux vraiment une hola dans le chat, hein, de banquise, hein. Alors, direct golem. Bûcheron. Requête. L'ordi qui s'éteint? Non. Non, c'est bon. C'est bon. Allez, c'est parti. Let's go, let's do it. Faisons-le. Par contre, en fait, ça me fait le biceps. Hein. Je vous le dis, je suis en courbature latérale constante. Je pense que je vais me greffer un chapeau. Hey. Ah ouais, prochaine intro de vidéo, je dis à 2000 pouces bleus, je me fais un chapeau avec le dragon. Franchement. Franchement. Alors là, on va jouer intelligemment. Je full cycle. Notre ami la direct. Oh bah ça c'est cadeau, ça. Ça c'est cadeau direct. Ça c'est le meilleur play que je pouvais espérer, hein. Oh, je vais le gratter en point de vie, frérot. Ah, il va rien comprendre, c'est sûr. Oh,
Ah ouais. Allez, full cycle, j'avais dit. Allez. Cherche pas, frérot, cette partie, elle est pour moi. Cherche pas, cette partie, elle est pour moi. Showtime. Golem, histoire d'assurer la win. Oh, mais là, j'ai gagné, hein, c'est sûr. Alors là, je m'en fous, le Balek, il va même pas défendre le fût. Ah si, il le défend. Alors le golem, il dans le fond, il importe peu. Hein. Ça serait tellement propre s'il pouvait le dépop. Oh, c'est si beau. On est à quoi? Une 24 de la fin. On va pas s'enflammer. Oh les gargouillasses. Waouh, je suis trop puissant, frérot. C'est histoire de le faire plaisir, ça. Alors, ouais, voilà, je m'assure au moins que ça passe pas, tu vois. Ah, la puissance. Ah ouais, trop de puissance pour lui, hein. Allez, Roquette. Reviens, je te jure, reviens, frérot. Parfait, à 27 secondes de la fin. Pour l'exploit, mesdames et messieurs. Fin de world. Oh, ça, c'est bien vu, ça. Ça, c'est un petit bâtard, ça. Quoi? Merde, la roquette. Oh, on est level 9. Oh non, j'avais pas compris. Oh non. Pourquoi l'autre, on était... Attends, mais j'ai joué en leader tout à l'heure ou quoi? Pourquoi sur l'autre, on était level 13? Pourquoi j'avais mon level sur l'autre et pas là? What the fuck? C'est pas grave. O2C2? Vas-y, je regarde. S'il y a quelqu'un qui le fait avec moi. Alors, j'ai pas encore changé mon deck de saison, mais je le fais pour la prochaine vidéo. Je voulais taper, mais je peux pas. En vrai, j'avais, j'ai moins mal. Des fois, je l'enlève et tout, la telle. Tranquille. Vas-y, y'a personne. Vas-y, arrête les Team Vénir, là. Team Vénir, putain, quitte le mode. Oh, le G-Bug. Je vais m'énerver. Je jure, je vais m'énerver. Il a bugué, là, le jeu, on est d'accord. Ah, ok. Sorcière de la night, hein. Zap. Zap pour counter. Alors, le bolt, c'est bien, mais zap pour counter. Qu'est-ce qu'il choisit, la Galantis, là? Galantis, il a intérêt à jouer sévère, je vous le dis tout de suite, hein. Sinon, il va me stresser, le gars. Allez! Les amis, je vais livrer le match d'une ville pour la banquise. Ce match, il est pour ma banquise. Car un jour, elle va finir par comprendre. Je vous raconterai le rendez-vous plus tard. Ok, trois moumous. Oh, trois moumous. Ouais, le miroir sur les trois moumous de Zer, ça peut être tellement propre. Oh! Ah ouais, non, mais là, on va last mat. Par contre, s'il pouvait... Ah ouais, le foot, ça aurait été propre, là. Belle def, on a quasiment pris la tour à droite, hein. Let's go.
Pour la banquise. Putain, faut qu'on gagne, là, faut qu'on gagne, hein, pour la banquise, hein. La banquise, elle va rien comprendre, mec, quand elle va voir cette vidéo. T'as là, t'as une... C'est vrai que t'as un bolt, là, tu fais tout passer, quoi, hein. Alors, on va pas se mentir. Allez, petite Tesla gagnante. Ça, c'est propre, hein. Elixir. Parfait sa défense là. Ok, je vais jouer 3 moumou corner les gars, c'est bon, on finit les conneries. Dès que j'ai l'élixir, je les lâche. Ok, maintenant faut défendre. La défense d'une vie. Ouais. Ça c'était de la victorise. Oh, ça c'était de la victorise à temps en plus. Alors. Putain, il est hype là, on l'a level combien mec? Level masse, hein. Du coup c'est bien, ça fait 2 sur 3. Il est temps pour moi d'aller chercher un nouveau deck. Alors celui-ci on va quand même le laisser de côté et on va travailler ici, on va voir sur la mise à jour. Quoi qu'il en soit, merci à tous d'avoir maté cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. Au bébé dragon, à Nitroglou, lâchez un petit pouce bleu, lâchez un commentaire. Et on se retrouve dès ce soir ou dès demain en vidéo, stream, tout ça ever. Et je vous fais un maximum de bisous, merci à la famille pour le soutien. Moi, je vous aime, salut.